Yop tout le monde, ici le Bécalos. Donc aujourd'hui on se retrouve en tentative Nuck sur Fringe. Alors je sais que ça fait un petit moment quand même que je vous ai pas proposé de gameplay sur Code, mais là je vais lancer une nouvelle série de tentatives nucléaires. Alors je vous dis pas, surtout le gameplay, je vais pas vous dire si je l'ai réussi ou pas, hein, c'est des tentatives bien entendu. Mais ce que je pouvais vous dire c'est que il y aura des fails. Des gros fails. Ce que je veux dire, c'est que des fois la partie elle va se terminer plus vite que prévu et du coup je vais pas pouvoir la faire. Je vous dis pas si je vais la réussir ou pas. Alors, tentative nuke, je parle au-dessus de 20 kills. C'est-à-dire que quand je chope la médaille implacable, pour moi ça reste une tentative nucléaire parce que implacable c'est 20 kills. Il faut les sortir, les 20 kills, bien entendu. Alors. Les trois quarts du temps, je crois que j'étais avec des potes. Il y a d'autres fois, je crois que je suis tout seul. Là, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je faisais cette vidéo, je pense que je vais partir en stream tout seul pour en tenter, tout simplement. Et voilà. Alors, les prochains gameplays, ça sera des rediffs de stream. La qualité sera pas si bonne que ça, je vous préviens. Je me suis acheté d'ailleurs une webcam Logitech à 45 boules. Qui est vraiment pas mal. Donc désolé pour la qualité des prochains gameplays. Je pense poster voire 2 voire 3 tentatives nucléaires dans la semaine. Alors ça sera les tentatives que j'aurais fait à la suite. Ce que je veux dire c'est que je vais pas faire un gameplay, je vais pas poster un gameplay qui a été fait en dernier. Je vais le poster à la suite. Là je vous propose la toute première tentative nuke que j'ai tenté. Parce qu'avant je ne les tentais pas du tout. Et d'ailleurs c'était même pas une tentative nuke que je tentais de base. C'était juste pour m'amuser avec des potes. Et en fin de compte ça va se transformer en grosse tentative nucléaire. Donc je vous dis pas si je le fail ou pas. Je mettrai aussi un fond de musique. Qui sera là tout le long du gameplay. Parce que je compte pas commenter de A à Z le gameplay. Je vous laisse vraiment kiffer le gameplay. Donc ce gameplay on jouait sur Fringe en point strat à mode. Dont un pote m'avait parlé et il me disait comme quoi il y avait possibilité de le faire dedans. Je me suis dit allez, let's go. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, j'étais pas de base, je partais pas pour le nucléaire. Mais là c'était bien parti pour. Donc voilà. Ma classe, ça sera du coup une manoir sans pillard. Je tiens à préciser parce que j'avais pas le niveau pour de base. J'ai récupéré ce gameplay en mode studio parce que je recordais pas à ce moment là. Le mode studio a bien voulu que je le reprenne. Donc c'est assez sympa. J'ai aussi un comeback sur Evac en arène recherche et destruction. Un grand comeback, les mecs nous foutaient 5-0. Je vous dis pas si on l'a eu ou pas. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je vous le mette. Et vu que ça vient du mode studio, je serai obligé de couper certaines séquences parce que c'est assez long entre chaque manche. Bon bref, donc ma classe, manoir, viseur Hello, poignée Argo, cross. Et gros calibre. J'avais aussi la MR6 en secondaire. En atout 1, j'avais post-combustion, atout 2, maleste et atout 3, impulsant furtif. Alors, il faut savoir aussi que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas pierre, donc du coup, je faisais pas des classes nucléaires. Là, je me suis fait 3 classes nucléaires que je vais vous dire maintenant si vous voulez tenter des nucléaires. La première, ça sera manoir, viseur Hello, cross et gros calibre. Alors, il faut savoir que la manoir est. A fait très très mal. Si vous avez une bonne connexion au niveau des ennemis, contre les ennemis, vous allez pouvoir même challenge encore encore. Pareil pour la HVK. Il faut que je teste avec l'ICR pour voir comment ça se passe. Mais normalement, avec ces deux classes, vous devriez, si vous avez la connexion, vous devriez foutre des gros boules logiquement. Donc, voir 2-3 balles. Maximum. Alors, les deux classes sont très ressemblantes, donc la manoir et la HVK. Donc, sur les deux, je vais mettre exactement les mêmes choses. Après, je vous donnerai une petite classe Kuda tranquillement pour vous montrer, pour vous dire tout simplement la classe rush que je prends généralement. D'ailleurs, il y aura aussi un gameplay rush, tentative nucléaire rapide, express que je vais vous montrer plus tard dans la semaine, je pense, ou la semaine prochaine. À voir, ça dépend en fait du nombre de gameplay. Normalement, je devrais en poster 2-3 comme je vous l'ai dit.
Après, je sais pas au niveau des gameplays dans l'ordre qu'il est. C'est-à-dire, si ça se trouve, c'est peut-être le quatrième gameplay et vous l'aurez du coup la semaine prochaine. Donc, ça, il faut que je voie. Donc, la classe Manowar, Elo, Cross, gros calibre. Je mets ça aussi sur la HVK. La HVK aussi qui fait très très mal. Je mets pas de secondaire, ni de mortel, ni de tactique. Je vais mettre que des atouts. Donc, atout 1, je vais mettre post-combustion. Atout 2, il y aura deux atouts. Il y aura un malest obligatoire, bien entendu, et pillard. Et en atout 3, je vais mettre impulsant furtif, tout simplement pour pas que les ennemis me voient dans le dos. Voilà. Vous pouvez mettre aussi une petite para tranquillement pour vous sauver la mise de temps en temps. Voilà. Donc la classe Kuda, et je terminerai par cette classe, et après, je vous laisserai voir le gameplay tranquillement, sans vous casser les burnes. Ce sera une classe Kuda. Avec poignée, je mets pas de poignée ergo tout simplement. Alors, je mets pas de poignée ergo parce que moi j'ai l'habitude de tirer avant de viser. Je l'avais dit sur BO2 et je le redirai depuis BO2, je le dis de toute manière. J'ai l'habitude de tirer en oscope et ensuite viser. Il y a certaines personnes qui visent et qui tirent. Donc, pour ces personnes-là, je vous conseille poignée ergo à la place de la poignée. Donc, moi je mets poignée ergo, chargeur grande cape et tir rapide sur la Kuda parce que le corps à corps, la Kuda avec tir rapide. Elle est monstrueuse. Donc en atout 1, je vais mettre post-combustion. Atout 2, malest. Avec pillard. Et en atout 3, impulsion furtif. Alors, moi j'espère que ce gameplay vous plaira. Vous allez voir. D'ailleurs, pendant un certain moment, j'ai pas bougé. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars. À la plus.
Ouais, re tout le monde, donc comme vous avez pu le voir, je suis mort à 29, en série de 29, par un timing, un bad timing ou un bug de radar. Pensez ce que vous voulez, moi je dirais plus un bug de radar parce que j'avais la VTR à ce moment-là. Le mec que j'avais tué, il y avait toujours sa flèche, du coup je me suis retourné, en fin de compte je me suis fait buter par derrière. Pourtant je savais qu'il spawnait au fond du train et j'ai pas fait gaffe, bon c'était un peu de ma faute entre guillemets, mais bon. Voilà, je reste inactif pendant un certain temps quand même. Mais bref, pour tous ceux qui veulent me voir directement jouer, venez sur ma chaîne Twitch, je stream tout le long de la semaine, l'après-midi, normalement, de base, et le samedi, y compris toute la journée, même la soirée. Le dimanche, je ne fais rien, parce que bah, je streamerai sûrement au début d'après-midi, mais sans plus, parce que j'ai deux enfants, hein, vous le savez tous, donc pour les réveiller le lendemain, c'est un peu galère sinon. Bon, bref. Je voulais te dire aussi un autre truc, donc oui, j'avais pas les scores stricts de base pour tenter le nucléaire, je tiens à le préciser, donc j'avais drone de rebrouillage et éther de base, normalement pour tenter le nucléaire. Et en fin de compte, j'avais le fantôme, éther et rap, donc j'étais pas du tout préparé, encore en plus de ça, il manquait pillard. Donc voilà, mais la prochaine fois, vous allez voir que ça se passait différemment parce que j'aurai mes scores stricts corrects et mon petit pillard. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.